Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bon. Chers frères et sœurs, je voulais saluer ici les panafricains. Je voulais aussi saluer les Africains hypocrites qui sont toujours dans le combat pour dire la France doit partir, la France doit faire comme ça, la France doit faire comme ça. Moi, aujourd'hui, je viens dire merci au peuple français d'avoir soutenu aujourd'hui l'extrême droite. Oui. Parce que quand vous aidez des personnes et qui sont sur votre territoire, continuent d'insulter votre pays, qui continue de vous traiter comme des idiots, qui continue de vous traiter comme des personnes sans cœur, à un certain moment, il faut donner la juste réponse. Voilà. Adore le bâtisseur, salut à toi. Mon très cher petit frère, Koniba Traoré, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Voilà. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est bon est bon. On voit aujourd'hui les panafricains qui se sont calmés d'un seul coup parce que, en réalité, les Français ont décidé de voter l'extrême droite. Je crois que le moment était arrivé pour que, en réalité, les Français se lèvent. Oui. Le moment est arrivé pour que les Français se lèvent. Alpha Conné, salut à toi. Je crois qu'à partir de cet instant-là, à partir de cet instant, chacun d'entre nous va comprendre la réalité des faits. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens qui vivent dans votre pays, des gens à qui vous donnez tout, c'est ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui vous insultent. Les Français n'ont qu'à partir. Les Français n'ont qu'à faire comme ça. Les Européens n'ont qu'à partir. Vous êtes venus voler la terre de nos ancêtres. Vous êtes venus faire comme ça à notre terre. Eux, ils vont partir. Mais maintenant, là, vous allez lire l'heure. Les soi-disant panafricains qui vivent ici, là, dans quelques semaines, là, Macron a dissous. Macron a dissous l'Assemblée nationale. Dans quelques semaines, les Français vont aller aux élections. Et quand ils vont aller aux élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, c'est clair et net que l'extrême droite là va dominer au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est là on va voter les vraies lois. Les soi-disant panafricains qui s'asseyent ici dans le pays des gens pour les insulter, là, on va vous demander de rentrer chez vous. Et il n'y a pas de débat dedans. C'est une réalité. C'est vous qui êtes là matin, midi et soir en train d'insulter les gens. C'est vous qui êtes là matin, midi, soir, en train de dénigrer les gens dans leur pays. C'est vous qui savez que vous avez un continent où les gens sont allés voler. Aujourd'hui, les résultats sont clairs. Ça veut dire ce qui s'est passé là. C'est la démonstration que les Français dans leur majorité. C'est la démonstration que les Français dans leur majorité là ne sont pas contents de ce que leur gouvernement fait. À savoir, pardonner tout. À savoir, laisser des gens sur leur territoire qui les insultent matin, midi et soir. Je le dis et je le répète, on peut tout reprocher aux Français. On peut tout reprocher aux Français. On peut tout reprocher aux Européens. Mais ils sont gentils. Parce que je le dis. Ce que Dieu a donné à l'Europe, là,
Si Dieu avait donné ça à l'Afrique, même les voisins d'à côté n'allaient pas avoir la place chez eux. Oui. Ce que les Français acceptent, ça dit que toi, tu es un Africain, tu es né en Afrique. Fais tout. Tu te lèves, tu viens t'asseoir chez le Français. Et puis, ils nous accueillent. Ils nous donnent travail. Peut-être que on peut trouver certaines personnes dedans qui se comportent mal. Mais dans leur majorité, ils ne se comportent pas mal avec nous. Dans leur majorité, ils ne se comportent pas mal avec nous. Par contre, il y a d'autres qui sont là et qui considèrent que les Français sont mauvais. Je le dis et je le répète. Mais, chers frères et sœurs, je vais vous donner le nom de certains pays en Afrique. Imaginez-vous un seul instant ce que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire seulement. Et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire accueille les gens partout. Même si Dieu avait donné 100 fois ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, et puis la Côte d'Ivoire accueille les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tout le monde. Si Dieu avait donné 1000 fois ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, si Dieu avait donné ça au Mali, imaginez-vous comment les voisins allaient être traités. Imaginez-vous comment les voisins allaient être traités. Voilà des gens même qui n'ont rien dans leur pays. Voilà des gens qui sont pauvres, je le dis haut et fort. Voilà des gens qui ne sont même pas capables de nourrir leur propre peuple. Voilà des gens qui souffrent dans leur pays. Et c'est eux qui ont le courage de chasser des gens. Misso de Misso, salut à toi depuis ta position. Du boîtier de Tengrela, salut à toi. Voilà des gens qui souffrent dans leur pays. Chers frères et sœurs, on n'a qu'à s'asseoir. Faisons l'analyse. Donnez-moi le nom d'un seul pays en Afrique. Qui peut lever sa main et dire, chez nous là, on a 100 Français qui vivent chez nous et puis on a 100 ressortissants de chez nous qui vivent en France. Un pays n'a qu'à nous donner. Comptez les Maliens aujourd'hui qui vivent en France. Les Guinéens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les Togolais, les Béninois, les Camerounais, les Congolais. Combien? Mais c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Ils sont mauvais. Ils sont comme ça. Ils sont en train de voler chez nous. Ils sont en train de faire comme ça. Hein? Voilà des gens qui sont aigris du développement des autres. Ils sont aigris. Ça dit que tu ne leur as rien dit. Toi, ton président que tu as voté, il est en train de développer ton pays. Eux, ça les fait mal. Parce qu'ils veulent que vous restez tous dans le noir comme eux. Ils veulent que vous restez dans la brousse comme eux. Chers frères et sœurs, il y a combien d'Africains qui travaillent dans la police française? Qui travaille dans la gendarmerie française, dans la douane française, qui sont enseignants français, qui sont journalistes. Bon, voilà des gens comme les Alain Foucault, à qui la France a tout donné. Ça dit la France a tout donné à, aux gars comme les Alain Foucault. Là. Ça dit la France leur a donné tout. Aujourd'hui, que lui, il est rassasié. Ça dit aujourd'hui, là, il est rassasié. Ça dit que tout ce que lui voulait de la France, là, la France lui a donné. Aujourd'hui, là, lui seulement, là, ça dit que lui, un gars comme Alain Foucault n'a même plus besoin de travailler. Ça veut dire seulement que les années qu'il a fait en train de travailler, là, ça dit son droit qu'on va lui donner seulement. Je ne vous parle pas de la retraite. Les droits qu'on va lui donner, jusqu'à sa mort, il peut nourrir toute sa famille avec ça. Ce monsieur-là se lève un matin, il est devenu un anti-français. Lui, il se lève un matin, il est devenu un anti-français. Et je vois l'idiot qui vient d'arriver du Bénin.
Je vois l'idiot qui vient d'arriver encore de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines seulement, il y a quelques mois seulement. Je vois l'idiot qui vient d'arriver du Burkina, du Mali, du Niger. Et qui est là, qui soutient Alain Foucault dans ce qu'il est en train de faire. Mais mon frère, tu n'as pas compris. Toi, tu es en train de te battre encore pour construire même une maison seulement pour dormir avec ta famille. Mais Alain Foucault que tu es en train de critiquer, que tu es en train de soutenir là, c'est pas seulement maison qu'il a construit chez lui en Afrique, il a maison dans même France là. Fatou Ekma, salut à toi depuis ta position. Nagine Feno Koulibaly, salut à toi. Moussa Yeo, salut à toi depuis ta position. Bakary Kone, salut à toi. Ça dit que toi, le Alain Foucault que tu es en train de soutenir, là, la France lui a tout donné. Il est rassasié. Il est fatigué de travailler. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu un anti-français. Il est anti-français. Mais est-ce que tu sais ce monsieur-là, demain, quand il va à la retraite, tu sais ce que l'État français lui paye? Tu sais qu'il a fini de préparer déjà l'avenir de ses enfants? Tu sais qu'il a déjà fini de préparer l'avenir de ses petits-enfants? Toi, tu n'as même pas encore fini de préparer ton propre avenir, à plus forte raison tes enfants. Et c'est toi qui soutiens quelqu'un qui a même déjà garanti l'avenir de ses petits-enfants. Chers frères et sœurs, on ne peut pas dire que la France est parfaite. Mais chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se mente. On doit beaucoup à la France. On doit beaucoup à la France. Je ne vais pas vous mentir. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y a des pays européens aujourd'hui qui, jusqu'à preuve du contraire, continuent de dire merci aux États-Unis. Il y a d'autres qui continuent de dire merci à l'Angleterre, à la France, à l'Italie, de les avoir aidés hier à combattre Hitler. Il y a des pays européens qui continuent encore de remercier des gens qui les ont soutenus hier, qui les ont aidés hier à combattre Hitler. Ça veut dire que à un certain moment de notre existence, de l'existence de nos arrière-grands-parents, ils ont eu besoin du soutien de l'autre pour pouvoir s'en sortir. Mais l'Africain est toujours dans la position de dire « c'est lui qui est mon problème, c'est lui qui me met en retard, c'est lui ». Même l'Africain va se réveiller tard. L'Africain va se réveiller tard. Sa montre n'a pas sonné. Au lieu de reconnaître que il allait dormir à 2h du matin, il va dire non, c'est l'horloge qui n'a pas sonné, c'est mon réveil qui n'a pas sonné. L'Africain, son réveil qui sonne, et puis il éteint, et puis sommeil le prend. Mais il va donner la faute à la montre. Si la montre même ne fait pas attention, il va prendre pour jeter. On est dans quel monde? L'Africain laisse son vrai problème. Mais ce qui l'intéresse là, c'est l'autre. C'est le même comportement de nos voisins. Des pays en retard, des pays, même leur stade, leur équipe nationale en train de jouer. Des pays qui ne sont même pas capables de payer prime de match des joueurs de l'équipe nationale. Des pays qui ne sont même pas capables de payer seulement la simple prime de match de leurs joueurs, de l'équipe nationale. En veulent à la Côte d'Ivoire. Et on est là, on est assis. Je vois des idiots, des tarés aujourd'hui qui sont là parce qu'un certain, boulanger qui, de par accident de notre pays, a dirigé la Côte d'Ivoire.
Voilà les gens comme les Laurent Gbagbo. Les gens comme les Laurent Gbagbo, je vais vous dire, vous ne verrez jamais, et regardez bien, la plupart, je vous dis, les 90% des Africains qui sont contre les Français, sur nos 99% des Africains qui parlent mal de la France, quand vous allez vérifier, c'est des gens que la France a aidés en réalité. C'est des gens que la France a aidés en réalité. On était tous là en 2000. La France a aidé Laurent Gbagbo à prendre le pouvoir. Le monsieur, il s'assoit. Mais les gens t'ont aidé pour prendre le pouvoir. Et puis, tu ne veux pas les respecter. Voilà quelqu'un qui a vécu en France comme réfugié. L'État français s'est occupé de lui. Mais qui aujourd'hui s'élève parce qu'il a pris le pouvoir, il demande à la population de se révolter contre la France. Parce que comme lui, on l'a aidé pour prendre le pouvoir, il se dit que de façon, ils m'ont aidé là. Ils peuvent aider quelqu'un comme ça pour me faire tomber. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien. Regardez bien. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, montrez-moi un vidéoman, montrez-moi un militant, un sympathisant, un cadre du RHDP. Parlez mal de la France. Montrez-moi un seul Ivoirien militant du RHDP, militant sympathisant du RDR, qui parle mal de la France. Montrez-moi un seul cadre qui a tenté de remonter les Ivoiriens contre la France. Ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, nous sommes convaincus que ce n'est pas la France qui nous a mis au pouvoir. Et voilà des gens qui sont là, des tarés qui sont là. Ça dit, on finit de les faire chaud. Attends, comment donne-nous là? Voilà des gens qui sont là, des tarés. Des gens qui n'ont aucun respect. Voilà des gens qui vivent en France pendant 10 ans, 15 ans. Ils ne payent même pas de loyer. Mais qui sont là, qui parlent mal de la France. Voilà un gars aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui s'élève et qui dit oui. Quand j'étais au pouvoir, j'ai toujours payé Ouattara, j'ai toujours fait comme ça. Comme si c'est son argent qu'il a pris pour donner à Ouattara. Mais l'argent que tu lui as donné là, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il faudrait qu'on sorte de là. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui veulent nous faire croire que c'est Laurent Gbagbo qui a fait rentrer, il a été gentil. Chers frères et sœurs, ce que Laurent Gbagbo a fait là, même s'il décidait de poursuivre le président Ouattara, de ne pas enlever le mandat là-haut, je lui pose la question. Toi, le militant du PPACI, là, viens me dire. Est-ce que le mandat d'arrêt qui était sur le président Ouattara, quand il était à l'opposition, là, est-ce que c'était juste? Vous allez venir nous faire croire aujourd'hui que non, il a enlevé quelque chose. Mais de quelle gentillesse vous parlez? Si Laurent Gbagbo hier n'était pas dans une gentillesse d'intérêt avec le président Ouattara, s'il y a quelqu'un, si Laurent Gbagbo était vraiment gentil, s'il est vraiment gentil, Blé Goudé qui a fait prison pour lui, là, il n'a qu'à d'abord parler à Charles Blé Goudé. Chers frères et sœurs, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Mon doyen Daouda Keïta, salut à toi. Ma très chère sœur, ma sangye chérie, salut à toi depuis ta position. La mine Sanogo, mon cousin, sous les six, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, vous voyez, parfois quand tu regardes certains Africains, tu as pitié. Souvent, quand tu regardes certains Africains, ça fait pitié. Quand tu regardes la mentalité de certains Africains, ça fait vraiment pitié. Ça dit que tu vois le gars,
Il est en France. Et puis tu lui parles. Il te dit, non, ça fait 15 ans que je suis en France. Ça veut dire que quand tu vois son habillement, quand tu vois son habillement, il te dit que ça fait 20 ans qu'il est là et puis il parle français. Tu sais, en âme et conscience, que le petit campement qui est à côté de ton village, là, même quelqu'un qui vit dans un petit campement de 15 personnes à côté de ton village s'habille mieux que lui. Mais malgré tout, ça, il dit qu'il est en France après 15 ans. Chers frères et sœurs, il faut rentrer souvent sur certaines personnes à qui les Français ont donné maison, gratuit. Un an après, tu ne reconnais pas la maison. Tellement ils ont saccagé la maison. Tellement ils ont détruit la maison. Tellement ils vivent comme des animaux. C'est l'Africain à qui l'État français donne l'argent pour dire, ton enfant qui est chez toi à la maison, là, voilà son argent de nourriture qui est là. Monsieur prend ça, lui va s'asseoir dans le bar. Monsieur prend ça, il fait la belle vie avec ça. Monsieur prend ça pour se rendre heureux lui-même. Par contre, les vrais propriétaires de cet argent sont en train de souffrir à la maison. Moi, chéri, mon très cher doyen, salut à toi depuis ta position. L'âme, salut à toi. C'est l'Africain, tu vois, ça dit que l'État français prend l'argent pour lui donner. On dit non, voilà le soutien financier qu'on te donne pour t'occuper de tes enfants. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Monsieur, lui, prend ça pour faire la belle vie. C'est monsieur qui est bien habillé dans le quartier. Pendant ce temps, ses enfants ne mangent même pas trois fois par jour. Voilà l'Africain qui fait palabre en Europe avec sa propre femme. Parce qu'on a donné l'argent pour s'occuper des enfants. Dans un monde normal. Dans un monde normal. Hein? On vous donne l'argent pour vous occuper de vos enfants. Elles prennent ça pour payer les gros bijoux. Elles sont six. Tellement c'est chargé, même pour marcher, elle a problème. Mais tout ce qui est sur elle, c'est pas pour elle. On lui donne l'argent pour s'occuper des enfants. Elle prend ça. Mais chaque samedi, c'est elle qui est dans la danse. Vous allez venir nous parler de quoi? C'est vous qui allez venir vous asseoir pour parler mal de la France. Je demande aux Français, trop c'est trop. À un certain moment, il faut aller voter la droite. Comme ça, chacun va connaître sa place. Chacun va connaître sa place. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous voyez mon très cher frère Tchang le Dozo. Merci à toi. Hassan Sanogo, salut à toi. Diabaté Mourli, salut à toi depuis ta position. Vous savez ce qui est marrant dans cette histoire? Quand les Africains se lèvent pour dire les Français doivent aller chez eux, les Français c'est les voleurs, ils ont changé leur nom. Et ils disent non, nous sommes les panafricains. Quand le Français leur dit, va chez toi, c'est les racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. On ne sait pas ce qu'on a fait. Ils ne nous aiment pas. Il m'a appelé singe. Il m'a dit que je suis noir. Mais mon frère, tu n'es pas blanc. Est-ce que tu es blanc? Kono, il m'a dit que je suis noir. Mais mon frère, mais est-ce que tu es blanc? Tu n'es pas blanc. Tu n'es pas blanc. Bon, ça là, même ce même comportement là, on voit ça en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Surtout en Côte d'Ivoire, on voit ça. Tu vois un xénophobe qui va au commissariat pour aller porter plainte contre un Maoka ou bien un Koyara. On dit, mais il t'a dit quoi? Qu'on non, il dit que je suis un xénophobe. Tu vois un Jimini qui va au commissariat, il s'en porter plainte contre un Maoka. On demande la raison de sa plainte, qu'on non, il dit que je suis Jimini. Et il dit que je suis xénophobe, que je suis Tabana. Mais est-ce que tu n'es pas Tabana?
On n'a qu'à te dire que tu es Koyaga. Alors que tu sais que tu n'es pas Koyaga. Mais on peut voler l'identité comme ça. Et puis ça va porter plainte au commissariat. Quand le monsieur là, mon voisin l'a dit que je suis Senoufo. Mais attends, quand le Koyaga l'a dit, je suis Senoufo, je suis Tagbana. Mais mon frère, tu es Tagbana. Tu as besoin d'aller porter plainte contre pour ça. Tu as besoin d'aller porter plainte pour ça. Mais est-ce que tu as besoin de pleurer parce que Maouka t'a dit que tu es Senoufo? Mais tu es Senoufo, mon frère. Il ne faut pas pleurer. Est-ce que tu as besoin de te pendre pour ça? Est-ce qu'à cause de ça, tu dois te jeter dans la lagune et prier pour mourir? Pour laisser tes 6 femmes que tu as à la maison, tes 27 enfants que tu as à la maison. Mais ce n'est pas bien. Bon, vous voyez, c'est ces gens de personnes, les Franklin Niamsi, qui sont là aujourd'hui, qui font le livre. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, Zulu de Bogota, je suis toujours dans la vérité. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, l'opposition ivoirienne tremble. Mais demandez l'aide de ne pas trembler. Non, demandez à l'opposition ivoirienne de ne pas trembler. Vous êtes sorti ici, vous avez dit que vous avez envoyé un banquier, c'est votre candidat, on n'a rien dit. Vous êtes sorti ici, vous avez dit que l'ancien prisonnier là, celui qui est devenu, il était quelqu'un qui a le sens de prisonnier dans son DNA. Dans son DNA. Konoku est notre candidat naturel. On n'a rien compris. Un prisonnier, c'est votre candidat naturel. Nous, on a donné le nom de notre candidat naturel, un travailleur, un bâtisseur, un développeur. Quelqu'un qui parle moins et qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui ne fait pas du bruit et puis travaille. Quelqu'un qui développe. Quelqu'un dont, même si tu ne l'aimes pas, tu reconnais que c'est un grand travailleur. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Vous tremblez. Il y a d'autres même qui sont rentrés, qui ont eu diarrhée en même temps. Depuis qu'on a dit que notre candidat naturel, là, c'est le président Ouattara. Il y a d'autres qui ont eu diarrhée. Il y a d'autres qui ont oublié qu'ils ont choisi eux les candidats. Et c'est eux qui parlent. À un certain moment, taisez-vous. À un certain moment, reconnaissez que celui qui travaille, il faut le respecter. Chers frères et sœurs, on ne vous demande pas d'aimer le président Ouattara. Ne l'aimez pas. Parce que c'est plus fort que vous. Bon arrivée à toi, ma très chère sœur. Tovi de son salut à toi depuis ta position. C'est plus fort que vous. On a compris. Mais le respect, là, on va vous imposer ça. Ne l'aimez pas, ça c'est votre problème. Mais le respect, là, on va vous imposer ça. Vous allez le respecter. Oui. Vous allez le respecter. Oui. On ne vous demande pas de l'aimer. Parce que si nous-mêmes, on croit que vous l'aimez, c'est que nous sommes idiots. C'est que nous sommes bêtes. Oui. Si nous-mêmes, idiots, nous, on pense que le gars peut aimer le président Ouattara, ce n'est pas vous, c'est nous. Ce n'est pas vous, c'est nous. Mais nous, on va finir ça. Et puis, venir faire croire, venir penser, venir imaginer. Un seul instant. Que vous, là, vous êtes ceux à qui nous, on doit faire confiance. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas de débat dedans. Je le dis haut et fort. Le 18, là. Le président Ouattara lui-même, il sait qu'il n'a pas de choix. C'est notre candidat naturel. Oui. Ça veut dire que faut que l'opposition ivoirienne comprenne une chose. Tant que le président Ouattara lui-même, il n'a pas dit, « Ah, mon fils Roux, j'ai compris ce que tu as dit. Mes enfants, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais je vous demande, voilà mon candidat qui est là, comme il a fait en 2020, là, avec Amadou Gon Coulibaly. » Chers frères et sœurs, pour nous, là, il n'y a pas autre candidat. Mes parents ivoiriens qui ont la nationalité
française. Les Africains qui ont la nationalité française. Vous qui considérez que l'Afrique aujourd'hui a besoin de travailler avec la France et que la France aussi a besoin de travailler avec nous. Vous qui reconnaissez la valeur de la France, je vous demande, vous qui avez la nationalité, allez-y voter la droite extrémiste pour mettre fin au parcours de ces soi-disant panafricains. Au parcours de ces idiots qui pensent qu'ils sont des Africains. Fatou Ekman, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, il est temps de faire le bon choix. Il est temps à un certain moment que ces brebis galeuses-là, il faut les jeter. La plupart de ceux qui vous demandent de vous révolter contre la France, si vous allez regarder bien, la France leur a déjà tout donné. La France leur a déjà tout donné. Ils n'ont plus rien à gagner. Et du coup, la seule chose qui leur reste à faire, c'est de révolter les autres pour ne pas que vous profitez de ce dont eux ont profité. Ceux-mêmes qui vous demandent de vous révolter contre la France aujourd'hui, quand vous allez vérifier bien, c'est les mêmes enfants là qui travaillent aujourd'hui ici, en France. C'est les mêmes enfants que la France a aidés pour devenir ce qu'ils sont. Les mêmes aujourd'hui qui vous demandent de vous révolter contre la France, c'est l'argent de la France qu'ils ont pris pour garantir l'avenir de leurs enfants. Oui, je vous demande à vous les Africains d'aller voter la droite extrémiste. Parce que oui, parce que il est temps que cela arrive. Je vois des rêveurs qui sont là, chers frères et sœurs. Il y a d'autres même qui sont rentrés en Mimbos avec nous pour nous dire, Zulu, il faut te calmer. Tu sais, le président Ouattara est venu en France, Macron lui a dit, chers frères et sœurs, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Ce n'est pas Macron qui peut décider de l'avenir du président Ouattara. Même Macron même le sait. Même Macron même le sait. Chers frères et sœurs, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, là, les Africains doivent s'asseoir et réfléchir. Vous pensez que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez mal de la France, vous pensez que les Français ne sont pas sur les réseaux sociaux. Le vrai problème là, c'est que le blanc n'est pas comme nous. Nous, on veut se cacher pour dire non, nous sommes panafricains. Et quand tu les demandes, non, on n'a rien contre la France, c'est seulement nos autos. Non, on a quelque chose contre... Non. Le blanc, lui, n'est pas dans ça. Vous êtes les panafricains, on a compris. Nous, là, on n'est pas dans ça. Mais j'ai dit, vous demandez à nos ressortissants de laisser votre pays. Nous aussi, nous demandons à vos ressortissants de retourner chez eux. Chers frères et sœurs, je vais vous dire ce qui s'est passé avec le Niger, le Mali, où des Maliens se sont levés pour chasser les Mali, des Français en France. Chers frères et sœurs, non, Seigneur, si c'est un gars comme Sarkozy qui était au pouvoir, ou bien l'extrême droite qui était au pouvoir, les Maliens qui sont ressortissants ici, là, on s'en fout, même si vous avez le document depuis 20 ans, même si vous avez la nationalité, vous allez payer. Vous allez payer. Ils ne vont même pas vous laisser, c'est clair. Ils ne vont pas vous laisser. Eux tous ont parlé aujourd'hui parce qu'ils ont compris que c'est Macron qui est en train de diriger. Mais nous qui suivons la politique, là, ce qui s'est passé hier, là, ça ne surprend pas. Ce qui s'est passé hier, là, ça ne surprend pas. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes là matin, midi et soir, c'est vous qui organisez les panels, c'est vous qui organisez les trucs pour insulter les Français, pour demander aux Français de retourner, là. Les mêmes vidéos que vous faites, là, pour dénigrer la France, là, il y a des Français qui sont cachés derrière qui vous regardent. Et puis on écoute vos discours. Les hommes politiques, les citoyens français qui doivent aller voter, là, écoutent votre discours. Et puis vous vivez sur le territoire français. Et puis vous voyez que Macron ne dit rien, que l'État ne dit rien. Ils disent, bon, ok, il n'y a pas de problème.
faut rien dire. Il faut les laisser, ils n'ont qu'à rester sur notre territoire. On n'a qu'à s'occuper d'eux. Ils n'ont qu'à sortir pour nous insulter. Ils n'ont qu'à nous dénigrer. Mais il n'y a pas de problème, on t'attend dans les urnes. Le jour des élections, là, tu vas payer. Parce qu'on peut tout accepter. Mais on ne peut pas accepter qu'on prenne l'argent du contribuable pour donner à des personnes. On leur donne la possibilité de vivre mieux. On leur donne une dignité. On permet à leurs enfants d'aller dans les écoles comme nos enfants. On leur donne la possibilité de fréquenter les lycées que nos enfants fréquentent. On leur donne la possibilité de fréquenter les universités que nos enfants fréquentent. Et que ceux-là sortent pour venir nous insulter. Macron, tu ne réagis pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'on va faire là, le jour des élections là, on va te faire payer. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ne vous pressez pas. C'est en train de venir. Ne vous pressez pas. Kadijata, Mété, salut à toi ma très chère soeur depuis ta position. Ne vous pressez pas. Vous allez assumer. Il n'y a pas de débat dedans. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je suis venu d'ici, merci aux Français. Et je demande à mes frères et sœurs africains qui vivent en France ici, chers frères et sœurs, une autre manière de combattre ces panafricains, ceux qui veulent détruire l'avenir de nos enfants, ceux qui veulent nous mettre en difficulté sur le territoire français, chers frères et sœurs, je vous demande d'aller voter la droite extrémiste. Comme ça, on va voir s'ils vont continuer de faire vidéo. Oui. On va voir s'ils vont continuer de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter les Français. Aïe, mais il y a longtemps, tu es rentré chez toi. Chers frères et sœurs, regardez bien. De la manière vous voyez les Africains font les vidéos insulter les autorités françaises. Montrez-moi la vidéo de quelqu'un qui vit en Italie qui fait. Montrez-moi la vidéo de quelqu'un qui est assis en Allemagne et qui fait. Chers frères et sœurs, on voit toujours ce qui se passe jusqu'à quelques semaines de cela, sinon ça continue encore. Ce qui arrive à nos frères ou mes sœurs qui vont au Qatar. Qui vivent en Tunisie, au Maroc, en Algérie. On est tous des Africains. Vous voyez bel et bien ce qui se passe. Souvent. C'est nous qui sommes en Europe ici, là, et puis on sort, et puis on parle mal. Awa Momo, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Qui vous les connaît. C'est nous, on sort, et puis on parle aux autorités tunisiennes, marocaines. C'est nous, on sort, et puis on parle aux autorités du Qatar. Mais est-ce que vous avez vu un Ivoirien qui vit en Tunisie et qui sort et puis qui insulte les autorités tunisiennes? Vous connaissez un Africain qui est assis au Maroc et puis fait vidéo et puis il insulte les autorités marocaines? Mon frère, c'est pas prison. Quand on le prend là, lui-même là, il envoie un message à ses amis pour dire « Appelez mon papa et puis ma maman, ils n'ont qu'à organiser mon funérail. Ils n'ont qu'à organiser mon funérail parce que je ne vais plus me retourner. » Mais c'est en France, on se permet de faire tout. J'ai dit, même un Africain, on va tuer son frère devant lui en Tunisie. Il ne va pas faire vidéo pour insulter les autorités tunisiennes. Il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Il n'a qu'à faire. Il va lire. Il va comprendre. Il va comprendre. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Kone Moussa, salut à toi depuis ta position. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.
Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci, merci encore. Merci de partager le direct et ajouter, disons merci aux Français pour leur choix qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Le blanc n'est pas hypocrite. Le blanc, il est vrai. Le blanc, il est vrai. Oui, le blanc est vrai. Le blanc n'est pas dans le truc. Le blanc, ce n'est pas quelqu'un qui rit avec toi quand tu es là. Et puis, dès que tu te lèves, il commence à te critiquer. Mais nous les Africains, le gars, il sort de l'église. Il dit que dimanche matin, lui, il est parti à l'église pour aller prier. Il n'est même pas encore arrivé chez lui à la maison. Sur la route de l'église, là, il a commencé à critiquer son voisin mais qui était à l'église avec lui. C'est l'Africain, il sort de la mosquée. Il dit que lui, il est parti prier. Il n'est pas encore sorti de la mosquée. Il n'est même pas encore arrivé chez lui à la maison. Et puis son voisin qui était en train de prier à côté de lui, là, il commence à critiquer le monsieur. Parce que selon lui, peut-être que l'homme est en train de faire des actes qui n'étaient pas bons. Il n'a pas eu le courage de lui dire, ah mon frère, ce que tu es en train de faire là, l'islam n'accepte pas ça. Il ne fait pas ça. Mais dès qu'il sort net, il commence à critiquer le monsieur. Ça dit que toi tu es parti à la mosquée. Toi tu es parti à l'église. Ça c'est le comportement de l'Africain. Ça là, c'est le comportement de l'Africain. Je ne suis pas en train de parler du comportement des chrétiens ou bien des musulmans. J'ai dit le comportement de l'Africain. L'Africain, c'est celui qui vient chez toi juste pour observer, juste pour regarder ce qui ne va pas dans ta famille, pour aller s'asseoir dans un grain, pour aller rencontrer. L'Africain, c'est celui qui ne fait pas amitié pour longtemps. L'Africain, c'est celui qui fait beaucoup de reproches, mais qui n'accepte jamais qu'on lui fasse des reproches. L'Africain, c'est celui qui pense qu'il est intelligent que tout le monde. L'Africain, c'est celui qui pense que son retard, là, ce n'est pas lui-même, hein, mais c'est la faute de l'autre. L'Africain, c'est celui qui est incapable d'éduquer son enfant et qui considère que c'est l'enfant de l'autre là qui gâte lui son enfant. Ça dit que lui-même, il est incapable d'éduquer son enfant. Et puis, il trouve que l'enfant de son voisin qui a même âge que son enfant, là, c'est à cause de ce dernier-là, lui, son enfant n'a pas bon comportement. L'Africain. C'est l'Africain qui est capable d'accuser un enfant qui est de même génération que son enfant. Ça veut dire que c'est son enfant. Mais lui dit que lui qui est le père, là, ce n'est pas lui, hein. Son enfant n'a pas bon comportement, ce n'est pas lui. Mais celui grâce à qui, lui, son enfant n'a pas bon comportement, là, c'est celui qui a même âge que son enfant. Vous voyez, ça dit que quand quelqu'un te parle comme ça, automatiquement, toi qui es intelligent, tu comprends déjà le genre de personne que tu as en face de toi. C'est là que tu te rends compte que tu as un irresponsable à côté de toi. Un irresponsable devant toi. Ça dit quelqu'un qui a même le courage d'accuser un enfant qui a même âge que son enfant, d'être le responsable du mauvais comportement de son enfant. Mais lui qui est le père, il n'a rien, il n'a aucune responsabilité. Elle qui est la maman, là, n'a aucune responsabilité. Toi, ton enfant sort, tu ne sais pas où il est parti. Ton enfant sort, tu ne sais pas à quelle heure il rentre. Ton enfant est sorti avec des amis, tu ne sais pas avec quel ami il est sorti. Ton enfant t'a demandé, je m'en vais manger dehors. Tu ne sais pas quelle nourriture il va manger dehors. C'est 10 ans après, 5 ans après, tu te rends compte que ton enfant, là, quand il te disait qu'il sortait, là, il partait dans un coin que toi, tu ne sais pas. Mon frère, tu es un père irresponsable. Non, les enfants d'ici sont comme ça. Mon frère, tu es un père irresponsable. Ma soeur, tu es une maman irresponsable. Tu es une maman irresponsable. Ah non, les enfants d'ici là, on ne les touche pas. Ah, les enfants d'ici là, on ne les parle pas. Non, tu es une maman irresponsable. Tu es une maman inconsciente. Toi, tu ne peux rien dire. Si toi, ton travail, le week-end, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu as travaillé. Le samedi, le vendredi soir, là, tu ne travailles pas. Pardon, le vendredi, là, ça dit le samedi, tu ne travailles pas. Le vendredi, quand tu viens, tu t'habilles. Tu sors. Tu laisses ta femme avec les enfants. Toi, tu es parti. Tu rentres à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour dormir. Mais
ce qui s'est passé là, si l'enfant a mangé avec ses frères, si l'enfant n'a pas fait comme ça, ouais, si madame même s'est sentie mal, ouais, tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas connaître ça. Tu as perdu tout ton week-end de ta vie pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant que les enfants avaient besoin de toi, c'est toi qui étais tout le temps dehors. 15 ans après, tu ne peux pas venir dire à ton enfant, la femme que tu veux marier là, je ne veux pas. Tu ne peux pas venir dire à ta fille, l'homme que tu veux marier là, je ne veux pas. Tu ne peux pas lui dire ça. Ce temps-là est passé. Ce temps-là où tu devais lui donner cette éducation, où tu devais lui faire comprendre, ça s'est passé. Tu l'as laissé faire ce qu'il a envie de faire. Tu ne peux pas venir t'arrêter quand il a 18 ans pour lui dire. Tu ne peux pas venir t'arrêter quand il a 20 ans pour lui dire, la femme que tu as envoyée à la maison, là, je ne veux pas. Quand il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Toi, tu sortais le vendredi pour partir. Et puis lui, il sortait derrière toi. Quand toi, tu rentres à 3 heures du matin, tu ne te rassures même pas si les enfants sont en train de dormir. Lui, il rentre à 6 heures. Il vient, il dort. Toi, tu te réveilles le dimanche, tu déjeunes, tu ressors encore. Tu fais tout le week-end, tu n'as pas vu les enfants. Ce n'est pas ton problème. L'irresponsable va aller s'asseoir dans un bar un jour pour dire non. Les enfants là, je les ai parlé, ils ne m'ont pas écouté, c'est leur maman, ils écoutaient. Mon frère, tu es un père irresponsable. Toi qui es la mère de famille, tu as voulu montrer aux enfants que toi, ces choses. Parce qu'en réalité, tu ne pouvais pas t'imposer. Parce qu'en réalité, le monsieur t'a laissé toujours gérer tout ce qui était donné pour aider les enfants. Tu as pris tout ça, tu as perdu toute ta vie, tu as perdu 15 ans en train d'aller danser, guémer. Tous les temps, c'est toi qui étais dans danse. Tous les temps, chaque samedi, c'est toi qui es dans danse, tu donnes l'argent. Tout le monde te connaît. C'est toi qui partais dans danse pour aller déposer 2000 euros, 3000 euros. Mais pendant ce temps, les enfants n'ont pas mangé à la maison. Les enfants n'ont pas mangé à la maison, mais c'est toi qui savais donner 2000 dans danse. Tu ne peux rien dire aux enfants. Parce qu'ils ont quelque chose dans ta bouche que tu manges. Tu es obligé de ne pas te comporter comme le père. Parce que si tu fais ça, ils vont te demander leur argent. Donc tu te caches derrière ça. 20 ans après, 20 ans après, 15 ans après, toi et tes enfants, vous êtes dans le même sungouria. Tu portes ton pantalon, elle porte pantalon. Oui. 20 ans après, toi, tu portes pantalon, elle porte pantalon. On ne sait pas qui est la maman dans la maison. Ma soeur Kalidjata m'a dit, tout le monde prend balle perdue ici. Même les Senoufou ont pris balle perdue ici, je dis là. Je suis dans ma position parce qu'il y a le Zoulou original et puis il y a un peu... La photocopie. C'est-à-dire que quand je suis dans mon mouvement de photocopie, là, ça c'est un autre cas. Mais quand je rentre dans ma position du Zoulou original, là c'est tout le monde qui prend pour lui. Et puis après je m'élève. C'est ça qui fait qu'on est amis aussi. C'est ça qui fait que vous m'aimez. Hein, on ne cache pas. Pas ici, là, chacun sa part de responsabilité. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Lydie, bon, salut, bah bon, salut à toi. Quand on vous allume comme ça, là, c'est ça, vous n'aimez pas. Mais, bon, tu vois, c'est ça. Les femmes ne veulent pas qu'on parle de leur comportement. Les hommes aussi ne veulent pas. Bon, tu vois, des vieux pères, le gars, il a 60 ans. C'est lui, chaque samedi, il est là. Mais quand tu as 60 ans en Afrique, quand tu as 50 ans en Afrique, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller à la mosquée. Mais en Europe ici là, c'est quand le gars il a 60 ans, il se rend compte que non, il a tout laissé derrière. C'est là tu vois, ça dit que le vieux père, mais quand tu lui dis grand frère, il dit mais petit, mais si tu connais mon âge. Ah, non, faut pas m'appeler grand frère. Alors que tu l'as appelé vieux père depuis des années. Mais le gars il arrive à 60 ans maintenant, il dit pourquoi toi tu l'appelles vieux père. Il dit, ah
vieux père. Mais depuis 15 ans, je t'appelle vieux père. Il dit non, mon petit, je n'ai jamais fait attention. Alors que le gars sait qu'il a toujours fait attention. Lui-même, il t'a répondu. Il dit que non, mon petit, tu m'as jamais appelé comme ça. Toi-même, tu es dépassé. Hein? Ma Sarangi Berthe, ma très chère petite soeur, salut à toi depuis ta position. Ok, chers frères et soeurs, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.